Comment t'as vécu ça? C'est quoi la sensation? Oh, je suis très heureux. J'étais assis à côté de ma famille, mon frère à côté de moi, puis c'était vraiment un moment très spécial. Est-ce que tu savais que les Islanders t'aimaient particulièrement? Mon agent m'avait parlé qu'il m'avait bien aimé mon entrevue au Combine. Fait que il y avait un petit doute, là, mais pas plus qu'il faut. Là. Puis par rapport à ton rang, est-ce que tu t'attendais à ça? Parce qu'il y avait quand même une probabilité que ça soit un petit peu plus tard. Ah non, c'est comme tu dis, je m'attendais à ce que ce soit un peu plus tard. Là. Fait que c'était vraiment une belle surprise pour moi. T'as pas eu tout ça trop difficile dans ce matin comparativement à peut-être à d'autres qui étaient classés plus haut? Non, pas difficile tant que ça. Je me faisais pas vraiment d'attente envers un draft. C'est, ben souvent les drafts, ça se déroule pas toujours comme prévu, fait que je me faisais pas vraiment d'attente. Qu'est-ce que tu considères? Ils sont à New York. Qui ont une super belle organisation, qui ont eu l'histoire. Mike Bossy est passé là, une coupe de coupe cette année. J'ai vraiment hâte de pouvoir participer à cette tournée. Tu vois comment ton développement dans les 3 prochaines années? Éventuellement, je joue junior l'année prochaine, c'est pas une surprise. Puis les deux, trois autres années, sûrement dans la Ligue américaine, puis après ça, sûrement personnellement. Est-ce que tu te souviens d'une rencontre en particulier avec eux? Est-ce qu'il y avait quelque chose qui avait cliqué? Non. C'est vraiment normal, comme tous les autres. C'est Mario Saracino qui a parlé? Je pense que oui. Je ne me souviens plus vraiment des noms, mais ouais. Ma première année, c'était un peu dur. Tu sais, j'étais plus jeune. J'étais vraiment jeune quand j'étais arrivé, puis on avait une équipe... une très bonne équipe, assez vieille aussi. Fait que ça a été dur de faire ma place, mais j'ai travaillé, j'ai pris bouchée double, j'ai forcé à Mangel de me mettre dans le line-up à chaque game. Puis ça a rapporté. Puis cette année, ben, j'étais rendu un des plus vieux à Noël. Fait que j'ai pris encore plus de place. Puis je pense que ça m'a vraiment aidé dans mon développement. Ma première année que je me suis repêché, j'ai pas fait l'équipe, mais vu que je jouais pas loin, j'avais pratiqué à chaque semaine avec eux autres, puis ils étaient tout le temps avec moi sur la glace. Ils m'ont montré des petites affaires que je faisais pas bien, à les corriger tout de suite. Je pense que ça m'a vraiment beaucoup aidé. Merci.